Salut à tous, c'est Kiwi, on se retrouve pour le quatrième épisode de Rain sur PlayStation 3. Les petits amis, si vous voulez me soutenir, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et mettez un petit commentaire. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines aventures. On reprend. Immédiatement. On franchit ces obstacles. Et voilà, ça commence comme ça dès le début, ok. Ça sent pas bon, chapitre 4, deux enfants dans la ville. Non mais vas-y, dépêche-toi un peu, dépêche-toi un peu. Ouai aïe aïe. Ouai aïe aïe. Tu vas te détendre, hein. Je te le dis, tu vas te détendre. Hein. La ruelle, ok. Alors moi je veux bien. Je vais me faire avoir, je vais me faire avoir. Hop. Merci. Mais soudain, elle vient à la rescousse, lui offrant un abri de fortune. Alors ça, ça me va. Ça me va complètement. Oh, bien la petite distraction. Bien, bien, bien. Pas mal. C'est très, très bien, ça. Ok. On va pouvoir y aller, je pense. Avant, j'aimerais bien juste voir ce qu'il y a en haut de ces escaliers. Il y a une grille. Ok, donc on ne peut rien faire ici. Par là-bas, peut-être. Non plus. On n'a pas 36 000 solutions. Hein. Ah, elle a poussé la poubelle. Sa main invisible agit de nouveau, détournant l'attention du diable. Oh, c'est bien ça. Je ne vais pas m'éterniser ici. Allez, dépêche-toi de grimper, Bobby. Voilà. Il y a quoi par là? Il y a l'air d'y avoir strictement rien. Non mais qu'est-ce que je fais? Je dois tout recommencer là. Ah, oh, j'ai fait n'importe quoi. Oh mais non, je suis passé trop près de lui. Mais attendez, mais ce fail complet. Alors j'ai réussi à monter. Je me trompe de chemin. Je repasse devant lui et je passe trop près de lui. Je me fais défoncer. On est donc parti sur ça quoi. Je ne passe pas trop près cette fois-ci, merci. On commence bien cette vidéo. Hein. Allez, cours, cours, cours. On n'a pas 36 000 solutions. Il faut sauter en contrebas. Et ramper. Ah, c'est bien ça. Soudain, le diable perd sa proie. Enfin, soudain, ça fait quand même longtemps qu'il nous avait perdu. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Va te promener, tête de pyramide. Les deux enfants se retrouvent enfin face à face. Au bout du quatrième épisode, hein, c'est pas trop tôt. Le garçon bombarde la fillette de questions. Mais est-ce qu'elle t'entend? Sur elle, sur la ville et la nuit? Sur les créatures et sur la manière de s'échapper de ce monde. Mais elle reste muette. Alors peut-être qu'elle t'entend pas. Du coup, toi non plus, tu ne l'entends pas. Je ne sais pas. Et se contente de secouer la tête. Ok. Voyant le garçon désespéré, elle tend une main protectrice. Thank you.
Ok, je te suis, 2 secondes. D'abord, je vais fouiller par là. Strictement rien. J'aime beaucoup ce jeu. On a l'impression d'avoir un superbe ray tracing. La fillette a l'air de savoir où elle va. Un superbe ray tracing au sol. C'est magique. Mais moi, je vais tout droit. Et j'ai bien fait. J'ai très bien fait. Métamorphose, il ne sait pas qu'elle ne peut pas aller au cirque, que pour elle, l'aube ne viendra jamais. Ok. Par où faut passer là? Non mais ils ont une manie dans cette ville de se garer toujours dans des endroits complètement exigus. Là, ne me dites pas que le mec qui s'est garé, il a pu sortir de son véhicule. Attendez. Par où faut aller? Il y a quoi par là? J'imagine qu'on est encore une fois beaucoup trop proche de du dernier souvenir. Ah, c'est quoi ce petit prospectus là? Une faible lumière brille devant eux. Ah, mais qu'est-ce donc? C'est quand tu veux que tu descends. On peut pas glisser le long de l'échelle là? Ce serait bien ça. Et voilà, terminé. C'est ça que t'appelles maître du bordel? C'est ça que moi j'appelle maître du bordel. Voilà. Voilà. Ah, j'ai failli trébucher sur une bouteille de verre. Allez, aide-moi à monter s'il te plaît. Allez. Ah non, d'accord. J'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Moi, je veux partir par là-bas. Parce qu'il n'y a strictement rien. Oui, c'est bon, je viens. Calme-toi un peu. Dis donc. C'est le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Ah, il y a peut-être des trucs là. C'est quoi ça? Les trois portes du cirque. C'est une référence à quoi ça? Il y a le métro là, attendez. Ah, il y a plein de trucs. Ah, mais c'est beaucoup trop grand, il y a beaucoup trop de choses là. Il y a un feu tricolore. Il y a des camions et des véhicules de partout, de garés là. On dirait que c'est qu'il y a eu une apocalypse zombie. Mais la fille se met à tousser. Ne tousse pas. Je vais te trouver des antibiotiques. Viens. Ah. Je suis passé par où là? Voilà. Oh, il y a une clé. Il y a une clé. J'arrive pas à l'ouvrir celle-là là. Non mais. Arrête un peu. Ah, il faut fermer l'une pour ouvrir l'autre. Oh, comment j'ai bien fait de l'ouvrir. Enfin égarée, elle a perdu seule. Alors, pardon, je me suis trompé. Elle est perdue seule. Où qu'elle aille, quoi qu'elle cherche, elle ne trouve rien sinon le vide de la nuit. D'accord.
Ah ben non, là je peux l'ouvrir les deux là. Moi je prends la clé, j'imagine que ça va servir hein. Voilà. Non mais... Ok. Ça c'est fait. Viens par ici. Il y a un objet derrière le petit muret là. Elle court se réfugier sur le toit, mais elle n'a nulle part où aller ensuite. Et si je me carapate comme ça? Ok, il faut être deux. J'ai compris le truc. Hein. Oh, il va me voir là, non? Vite, 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 monte. Ah, tu m'as pas eu. Pourquoi je suis allé me perdre sur la droite là? Allez, venez par ici les gars, venez par ici. J'imagine qu'il faut vous attirer. Est-ce qu'il faut que je grimpe là? Ah non, ok. La fillette avance peu à peu tout en regardant le garçon. D'accord, il faut que je garde la peluche. Jusqu'à ce qu'elle arrive à destination, c'est ça? Allez, venez par là, les vilains pas beaux. Non. C'est pas un truc à faire, ça, c'est... La fillette semble vouloir escalader le bâtiment. Oui, bah attends. On va le faire, mais avant, il faut qu'on... Voilà. Ah, je n'y arrive pas, ok. Il faut maintenir la touche. Allez, grimpe. Je suis tombé. Le mur est trop haut pour qu'il puisse l'escalader seul. Je vais te hisser. Voilà. Ok. Montez. Attendez, c'est quoi ça? Des chaises. C'est quoi ces affiches Elephant Mind? Quelqu'un peut me le traduire en commentaire, ça? Où est-ce qu'on va là? Impossible de sauter depuis une telle hauteur. D'accord. Qu'un seul passage, c'est ici. Impossible de bouger de ce côté. Non, ok, là, je me suis trompé. Non, mais attends. Million Dollar Circus. Fantasmagoria. Non, mais en vrai, la pancarte, là, de l'intérieur, tu lui mets un chassé, elle tombe. Non ? Genre t'es bloqué quoi. C'est bien trop haut pour sauter, oui je sais, je vais t'aider, t'inquiète pas, j'ai compris le business, hein. J'ai compris le mécanisme du jeu. Hein. Allez viens. Qu'est-ce que tu fais? Oui c'est ça, fais-moi coucou. Hein. L'autre elle me fait coucou quoi. Non mais...
Non mais n'importe quoi. On peut pas partir par là. C'est mignon, ce jeu est mignon quoi. On peut pas choisir son emplacement sur les objets qu'on pousse. C'est marrant ça. Le jeu veut que vous vous mettiez à droite. Ok, donc il va falloir le pousser à fond, car je vois que la plateforme juste après, elle est bien plate. On va pouvoir comme ça grimper dessus. Et c'est nickel. Voilà. Il se passe quoi maintenant là? Il y a des escaliers partout. Des passages là, non? Non, ça veut pas. Non, ça va, ça ne veut pas. Est-ce que c'est bon là? Alors j'imagine que là il va y avoir un monstre qui va sortir de par là, c'est ça? Et il va falloir vite courir pour actionner un mécanisme un peu plus loin. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? De l'autre côté, d'étranges petites créatures. Est-ce qu'on peut les écraser, genre leur mettre un petit coup de pied dessus? Oh là, ça m'a l'air un peu agressif tout ça là. Attendez, je tente hein, parce que j'ai envie de tenter. Attrapez-moi. Oh, ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Ah oui. Ah oui, d'accord, c'est violent. Les enfants sont engloutis par les ténèbres. Oui, d'accord, j'ai compris le business. Faut pas les provoquer, quoi. Faut pas y aller. Ouais, c'est bon, je zappe la scène, on l'a déjà vu. Ok, donc ça plaisante pas, faut pas déconner avec elle, hein. Faut surtout pas déconner avec elle. Je vais rester là. Voilà, vas-y, viens, ramène-toi, vite fait. Est-ce que les créatures s'en vont, là? Ah, elles s'en vont. Ah, oh, c'est très très bien tout ça. Ah, ok, il faut que je bouge. Je pouvais rester là longtemps. Hein. Un petit souvenir par ici? Non, toujours pas. Par là peut-être. Non plus, y a rien. Ouais, aïe aïe. Cours. Dépêche-toi. Attendez, là il y a un problème là. D'accord, ok. C'est en train de le dévorer? Ah ouais? Ça l'a buté. La bête à quatre pattes disparaît juste sous leurs yeux. Oh, c'est bien ça! Salut le bestiau! Nous, on se casse de là. C'est très beau, hein? C'est très très beau. Faut aller par où là? On n'a pas 36 000 choix en fait, hein. On peut pas grimper sur la voiture là.
Un petit souvenir, s'il vous plaît. Oh, il y a encore des bestioles. Tout droit, il n'y a rien. Allez, viens par ici. Alors tu vas faire quoi? Tu vas prendre la petite peluche là et tu vas la balancer, c'est ça? Bien joué. Ça c'est bien joué. Ça c'est ma championne. Cette expression de bof. Alors hop, on y va. J'imagine qu'il va falloir refermer la porte, enfin le portail là. Et voilà. On va prendre la peluche. La fillette semble incapable de descendre de si haut. Bah ouais, j'ai compris qu'il y avait un truc pour te faire descendre. Hein. J'ai compris. Hein. Tiens, salut, bye. Attendez. Il y a un truc par là? Non, il n'y a rien. C'est bon là, tu peux y aller ou pas? Ok, toi t'es... Ok. T'as fait une chute là. Bon, viens, faut qu'on se barre de là, ici, là. Ah, c'est quoi ces gros tonneaux là? La clé est sur le sol de l'autre côté de la grille. D'accord. Alors, j'en ai déjà vu quelque part ce genre de gros tonneau énorme là. Je ne sais plus à quoi ça sert. Si quelqu'un en commentaire peut me le dire, peut éclairer ma lanterne. Je sais plus dans quoi j'en ai vu de ça là. Ok, on peut leur refermer la porte? Non, on ne peut pas. Alors moi je veux visiter, hein. Tu permets un tout petit peu là. Il n'y a rien à voir ici. Bon, ben ok. Et allez, on est reparti. Amélie Poulain, c'est reparti. Alors que ça fait 15 ans que j'ai pas vu ce film, hein. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Mais franchement. Calmez-vous. Qu'est-ce qu'on fait là? Oh, ça arrive. Vite, dépêche-toi, va me déplier l'échelle s'il te plaît. Vite. Arrêtez vos conneries. Ah, ça va, ça revient en arrière. Et merci pour l'échelle en pleine gueule, merci, c'est sympa. Oh, qu'est-ce que c'est ce rhinocorn? C'est quoi ce truc là? C'est un Pokémon le machin quoi. Aïe. Ok. Je veux descendre de ce truc, la Luge del Sol, Southwest Hotel. Je veux descendre.
Aïe. Je veux descendre, s'il vous plaît. Le garçon attend le bon moment pour sauter, attraper la main de la fillette, oui. Oh, ben voilà, nickel. Il va précipiter le... cet engin dans le fossé, là. Les deux enfants regardent sidérés le bus dévaler la colline. C'était un bus. C'était le ramassage scolaire. Eh ben alors, on va pas à l'école. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et de là d'où tu viens, il y aurait pas un petit souvenir, un petit truc à choper. Oh, 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 oh. C'est magique. Un paysage. La ville l'a perdu de vue, son visage qui faisait pourtant partie du paysage a totalement disparu. D'accord. Salut le rhinocorne. Salut à toi l'ami. Le son d'un cours d'eau se fait entendre au loin. On a trouvé les trois souvenirs du niveau, on va pouvoir continuer tranquillou. Mais d'un coup, la fillette s'immobilise. Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as vu? Une maison isolée, éclairée d'une seule lumière au loin. Qu'est-ce que cela signifie? Doivent-ils marcher vers la maison? Peut-être n'y a-t-il pas de réponse. Mais c'est le seul endroit épargné par les ténèbres où la lumière éclaire cette nuit pluvieuse. Ouais, il fallait qu'il se pointe, lui. Oh, tu vas arrêter de grogner maintenant. T'arrêtes tes bêtises. Chapitre 4, deux enfants dans la ville. Terminé, les petits amis. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve dans le prochain. Je vous dis à plus. Salut à tous. Bye.